mais je vous ai déjà refusé. C'est pas comme ça qu'on appelle le nom des vrais parrains comme ça là. Oh merde. Tu dis, oh Ben Ali, Don Chris, Jason, Soumangourou. Non, ce sont pas quand même les vendeurs de soya. Ce sont les vrais parrains. Faut les appeler comme il se doit. Oh non, vous ne respectez pas les gens. Hein. Vous ne respectez pas les gens. Comment tu peux appeler un parrain? Non, quand tu fais un son, appelle le nom d'un parrain. Quand il va entendre le son, il aura le goût. Oh, il va t'appeler, il va dire, Péli, viens. Il va te déposer même 100 000. Vous me fatiguez, sien. C'est lui qui va encore appeler le nom d'un parrain à moi, comme si c'était un vendeur de chaussettes au marché là. On va pas vous dire, je vais t'attraper, je vais te taper. N'importe où, il te tape. Parce que faut les respecter. Hein. Faut les respecter. Ok. Parce que c'est grâce à eux si tu vis. Hein. On ne fait pas la paix près. Ouais. Parce que quand tu demandes à Dieu, Dieu lui donne. Il vient mener, te donne. Parce que quand tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, Dieu te tend la main, il te donne l'argent comme ça. Non. Dieu va passer par une autre personne. Maintenant, c'est la personne qui a des dons. Tu es obligé de respecter la personne parce que le respect est déjà forcé pour Dieu. Donc, Dieu, tu le respectes déjà forcément. Tu dois respecter la personne qui va te donner. Donc, quand tu appelles son nom, il faut différencier. Hein? Oh. Wow. Tu ne peux pas appeler le nom de Don Chris. Don Chris. Hein? Soumangourou. Jason. Cash Money. Non. Oh, wow. Et bon, comme Nelly pour encore. Il a dit, stop, on va te dire, ok.